Butcher of Rostov. Voilà, micro test, bonjour tout le monde, c'est Yux, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va pas mal, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode qui n'a pas de numéro, voilà, juste un petit versus entre les deux tueurs, ces deux affreux monstres, donc Chikatilo et Pedro Lopez, comme je le dis souvent, donc ce sera un petit comparatif pour établir lequel est le pire des deux, voilà, comme d'habitude. Je sais pas si c'est bien de faire ça, je sais pas, mais au moins ça me permet de faire une vidéo en plus et ça me permet de faire une vidéo courte. Surtout que même si elle dure 5 minutes, le montage est hyper long. Voilà, je le dis, le montage est vraiment hyper long. Donc on va tout de suite commencer d'abord par introduire les tueurs. On commence par leurs surnoms respectifs. Donc Andrei Chikatilo, le monstre de Rostov, la bête sauvage, comme je l'appelle, comme on l'appelle tous, comme il se surnommait lui-même, la bête soviétique Andrei Chikatilo. Donc Pedro Lopez. Le monstre de la Cordillère des Andes. Maintenant la date de capture, Chikatilo. 6 novembre 1990 après 12 ans de meurtre. Lopez, 9 mars 1979 après 11 ans. Chikatilo, une balle de 9 mm dans la tête. Condamnation. Lopez, 18 ans de prison en Équateur. Chikatilo, 1978-1990, la série de meurtres. Et Lopez, 1968-1979. Vous remarquerez que Lopez a commencé à tuer 10 ans avant Chikatilo. Alors ensuite, on va commencer par le viol. Toujours le même schéma, hein. Bien évidemment, le mode opératoire, toujours. Donc le viol, Chikatilo, non. Je parle bien de viol pré-mortem. Donc je sais pas si c'est le plus affreux des deux. Je sais pas si le plus affreux, c'est le viol pré-mortem ou post-mortem. Sachant que la nécrophilie, c'est vraiment ignoble. Donc Chikatilo, non. Lopez, oui. Démembrement des cadavres. Chikatilo, oui. Chikatilo, bien évidemment qu'il démembre les cadavres. Quelle question. Et Lopez, oui. Couteau pour torturer les victimes. Chikatilo, oui. Donc 35 coups de couteau dans le thorax. Voilà. 35 coups de couteau dans le thorax, c'est vraiment abject. C'est... voilà, il se sert de son couteau pour perforer la cage thoracique. Pour perforer la cage pectorale de sa victime. Et Lopez, non. Donc éviscération, Chikatilo, oui. Même parfois, il avouera avoir réalisé des éviscérations uniquement avec ses dents. Absolument. Voilà. Et Lopez, non, je ne terminerai pas cette phrase. Donc, étranglement, Chikatilo, oui. Il possède une corde dans sa panoplie, donc sa mallette. Et Lopez, étranglement, oui. C'est d'ailleurs le mode opératoire qui reviendra tout le temps pour Pedro Lopez. Puisqu'il tue ses victimes seulement par étranglement, contrairement à Chikatilo qui est capable de tuer n'importe quand, n'importe comment et à n'importe quel moment. Voilà. Donc torture maintenant. Chikatilo, oui, c'est un sadisme extrême. Je crois même que c'est le tueur le plus sadique de tous. Je sais pas si on peut dire que c'est le tueur en série le plus sadique. C'est le tueur en série le plus sadique de tous, c'est sûr. Je pense. Ouais, c'est même sûr. Mais après, le tueur en général le plus sadique peut-être, puisqu'il se... enfin, les coups de couteau qu'il met, de toute façon, ce n'est pas pour tuer sa victime, mais juste pour la faire souffrir. Voilà. Donc Lopez, non. Cannibalisme, Chikatilo. Eh bah, je ne répondrai pas à cette question, j'ai juste envie de dire... Fish, Chikatilo, Dahmer. Et Lopez, non. Voilà. Donc, type de victime, Chikatilo, tout type de victime, à part adulte masculin. Sa plus vieille victime masculine avait 16 ans et Lopez, jeune fille de 8 ans. Voilà, donc c'est encore pire. Et nombre de meurtres maintenant, Chikatilo 53, Lopez 8 de plus, 61. Et meurtre présumé maintenant, Chikatilo 56, Lopez 310, tout va bien. Voilà, donc bah écoutez, on va annoncer les résultats, on va annoncer les gagnants, le jury a délibéré. Je pense que Lopez... enfin, compte tenu du nombre de meurtres, je pourrais dire que Lopez a gagné, étant donné qu'il est quand même bien affreux. Mais compte tenu dans un second plan, oui j'aime bien ce mot, compte tenu de l'éventration, de l'éviscération, de la mutilation, de la... enfin bref, tous ces noms barbares là, je pense que Chikatilo a gagné. Chikatilo a largement remporté cet épisode. Il faudrait quand même beaucoup de violence pour le détrôner sur un versus.
Faudrait peut-être faire appel à ses deux amis, je sais pas. Enfin bon, c'est... Voilà. Bon, écoutez, c'était Hughes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je sais pas si c'est bien de comparer deux tueurs en série. Mais je le fais parce que j'aime bien. Ça permet de faire une vidéo courte. Une vidéo assez courte et regardable. Et malgré que cette vidéo soit courte, le montage est extrêmement long. Voilà. Donc, c'était Hughes. Je vous laisse. Salut tout le monde. Portez-vous bien. À plus les gens. Ciao, ciao.